J'ai eu l'aide aussi de ma mère qui travaille dans la même société que moi, sauf que j'ai quand même eu un entretien. Au début, c'était stressant, parce que tu rentres dans le monde du travail et du coup, tu stresses quand même. Mais à la fin, en fait, c'est pas si grave que ça. Faut juste répondre à certaines questions et être vraiment sûr de vouloir vraiment faire ce métier. J'étais au CFI et en même temps, ils m'ont passé l'entretien. Parce que j'ai passé les deux entretiens directs d'affilée. C'est-à-dire que j'ai passé en premier, j'étais venu déjà ici pour passer un entretien, pour pouvoir être accepté dans le lycée. Et après, j'ai eu un entretien avec le chef qui était ici pour rentrer dans la société. Des questions comme pourquoi le poids lourd, pourquoi tu veux faire de la mécanique, des questions toutes simples, mais qu'il faut vraiment répondre si t'aimes vraiment ce métier. En fait, il faut que ça vienne directement de toi. Et si t'aimes vraiment ce métier, tu vas trouver les réponses. Si t'as pas vraiment d'idée, toi, tu regardes vraiment ce que c'est. Et si ça t'intéresse, tu y vas. Mais sinon, ça sert à rien de continuer. C'est d'appréhender. En fait, d'appréhender si le patron va vraiment m'accepter, si le patron ou le travail va me plaire, si la société va être adéquate à moi. C'est plein de choses, mais à la fin, c'est à toi de t'adapter et de voir si vraiment l'ambiance est pour toi. Restez zen, faut pas stresser, parce que si tu stresses, c'est comme si en fait, tu te mettais des bâtons dans les roues. Parce que plus tu stresses, plus le patron va pas vraiment être apprécié. Il faut vraiment que tu donnes, que tu aies l'envie de venir. Et puis voilà, l'envie fera toujours tout.